Salut, c'est Aslak, on se retrouve une nouvelle fois au complexe du tir sportif de Veden et je suis encore en compagnie de Garjo pour tester une autre de ses armes. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour découvrir et tester une AK-47 de 1958 en calibre 7.62x39. C'est probablement le fusil d'assaut le plus connu au monde, probablement parce qu'il a été fabriqué en des quantités astronomiques pendant la guerre froide et donc trouvable pas trop cher. Elle était classée en catégorie B quand il l'a achetée, donc soumise à demande d'autorisation de détention, mais depuis août 2018, elle est passée en catégorie A11, donc plus achetable par les civils. Donc s'il veut s'en séparer ou que son autorisation n'est plus renouvelée, elle sera automatiquement détruite. Il s'agit donc du modèle AK-47, donc développé en 1947, d'où son nom. C'est le premier modèle d'une longue série, qui comprend par exemple l'AK-74 de 1974, ou encore l'AK-101, 103, 105 et différents types d'AKM. L'AK-47, ou de son vrai nom Avtomat Kalachnikova modèle 1947, ce qui veut littéralement dire mitrailleuse Kalachnikov modèle 1947, tire son nom de son concepteur, Monsieur Kalachnikov, ou de son nom complet, Mikhail Timofeevich Kalachnikov. L'AK-47 a été développée en se basant sur une arme très connue et répandue lors de la Seconde Guerre mondiale, le fameux Sturmgewehr 44 allemand, autrement appelé STG-44, dont j'ai d'ailleurs déjà parlé dans ma vidéo sur les fusils périscopes. Sa munition, quant à elle, a été développée à partir du calibre 7.92 du Mauser 98K. J'ai d'ailleurs déjà fait une vidéo là-dessus, donc n'hésitez pas à aller la voir pour plus d'informations. Mikhail Kalachnikov était un sergent de l'armée russe affecté à une division blindée, et rien ne prédisposait à concevoir des armes, c'était un soldat, un vrai. Et en 1942, il est blessé sur le champ de bataille, il est alors en convalescence à l'hôpital, et pour passer le temps, il se met à dessiner des armes. Il fera plusieurs tentatives, qui échoueront, puis finit par quitter l'armée pour travailler dans une usine d'armement. Et ce sera finalement en 1949 que l'armée russe décide d'adopter sa fameuse AK-47 développée 2 ans plus tôt. Lors de la fin de la guerre froide, en 1991, les Russes se sont retrouvés avec des hangars pleins à ras-bord d'AK-47 encore neuves. Beaucoup de ces hangars ont été vendus sur le marché légal et illégal, et c'est pour ça qu'on en retrouve absolument partout sur la planète. Enfin après, je suis pas sûr qu'on en retrouve en Antarctique, mais bon, vous comprenez l'idée. Ça règle toujours ? Je me suis fait niquer sur la dernière, je n'avais plus. Donc la AK-47 qui est une arme mythique, donc je suppose c'est pour ça que tu l'as pris. Exactement, oui, je suis une victime des armes mythiques, je me retrouve à acheter que ça en fait. C'est compréhensible. Oui. Personnellement j'aurais pris aussi si j'avais pu. Et du coup, juste pour cette raison, parce que c'était une arme mythique ou il y a d'autres raisons qui ont fait que tu t'es décidé à acheter? En fait c'est vraiment une arme pareil emblématique et je me suis dit comme pour le 19 ans, je me suis dit j'aimerais beaucoup avoir une AK, mais une vraie AK-47. Et là c'est le cas, j'ai eu la chance d'en trouver une de 1958 qui est entièrement en acier et pas en toile embouti comme... les ouais. versions modernisées, et donc du coup j'ai sauté sur l'occasion entre guillemets parce que non seulement je l'ai pas payé cher, c'est à peu près combien? Celle-là je l'ai payé 600 euros. Oui. Donc, oui. Donc comme d'habitude le complexe du tir sportif nous met à disposition le pèse détente, donc on va tester ça pour la calache, toujours la balle amortisseur pour le percuteur, parce que c'est très important de ne pas percuter à vide, le petit bruit qui va bien. Relativement caractéristique. Ouais. Ah oui, c'est clair. On remet à zéro. Hop. 1 kg 199. Ce qui est super souple pour une arme de cette époque. Elle est de 1958. Oui, et t'as pas modifié la détente? Pas du tout, j'ai rien touché. Et ben ouais. C'est même la première fois que je vois une arme aussi vieille avec une détente aussi souple. On a vu avec le test de la détente, c'est vraiment souple pour une arme de cette époque. Non, c'est clair, donc du coup j'en suis super content et c'est vrai que
Je sais pas, c'est la gueule qu'elle a, c'est... Après, on la voit partout aussi, elle est connue dans le monde entier, celle-là, c'est l'arme la plus vendue au monde. Elle a une mauvaise réputation, malheureusement, mais c'est surtout... Enfin, c'est juste parce qu'elle a été produite en des quantités astronomiques. Du coup, c'est son point fort et son point faible, parce qu'elle est tellement facile d'utilisation, que forcément, on prend n'importe qui, on lui explique en deux, elle se démonte en 20 secondes. Mmh. Donc, est-ce que tu avais testé une Kalash avant d'acheter la tienne? Pour voir justement si c'était une arme souple. Non, j'avais tiré au SKS, mais pas à la Kalash. Mais j'ai pas d'anglais, hein, franchement. Je comprends. La Kalash ancienne est passée en catégorie A, donc je suppose que tu l'as acheté juste avant quoi. Alors j'ai acheté avant, oui, et celle-là je l'ai acheté en novembre 2017. Ouais. Et en 2018, on a eu la bonne surprise, la fameuse guillemets. Elle est passée en catégorie A11, ça veut dire qu'elle est reclassée arme de guerre, mais en fait elle est renouvelable, donc je peux la garder. Mais je ne peux plus la céder ni la vendre. C'est-à-dire que maintenant je suis obligé, on va m'enterrer avec quoi. C'est ça. Ce que je disais, les catégories A, c'est les armes qui sont interdites aux civils, sauf dans des cas bien particuliers comme là. Mais tant que tu voudrais me la racheter, ben, c'est pas possible. Voilà. Celle-là, je suis obligé de la garder. À partir du moment où, même si tu peux plus être renouvelé sur par rapport à tes tirs contrôlés, etc. Elle part à la destruction. Voilà, elle part à la destruction, ce qui est dommage. Mais... Parce qu'elle a un sélecteur de tir d'origine. C'est ça. C'est une arme de guerre d'origine, ils l'ont reclassée en arme de guerre. Malheureusement. Du coup, tu l'as pris au pistolet, je suppose ? Ben oui, comme toutes mes armes, je l'ai passé au pistolet. Pistolet de la garde. Ouais. Ben, si vous regardez cette vidéo et que vous voulez sponsoriser ma chaîne ou même la sienne, n'hésitez pas à nous contacter, je pense que ça ne... Moi, je prends. Hein, on prend. Il n'y a pas de souci. Ça pourrait être vraiment cool, les partenariats, de pouvoir tester d'autres armes qui ne seraient pas forcément accessibles. Et voilà qui termine la vidéo. Un grand merci au complexe du tir sportif de Veden pour nous avoir accueillis et permis de filmer sur le pas de tir. Merci à toi, Gardjo, de m'avoir fait essayer ton AK-47. C'est normal, t'inquiète, j'ai l'habitude. J'espère que la vidéo vous a plu et nous on va aller tester une autre de ces armes. A prochaine les amis. Salut. Salut. Bon. Oh putain, je suis plus bon. Salut Sass. Salut Sass. Il est alors en convalescence à l'hôpital et c'est elle là pour son Mais vous comprenez. Ouais, je peux peut-être la faire une fois en fait. Hein. Quand t'as dit. Et donc pourquoi le Glock? Le Glock parce que du coup, comme tu vois, c'est une arme australienne et du coup, j'aime beaucoup les kangourous. Et puis franchement, comme arme de poing, elle est plutôt courte et assez légère, je trouve. Ah ça, c'est génial. Et en cuisine, tu fais des juliennes avec. Il fera plusieurs tentatives qui échoueront, puis finit par quitter l'armée pour travailler dans une usine d'armement. Une victoire. Attends, ça tombe pas, attends.